Alors, l'idée de cet atelier déco, c'est de récupérer les meubles des gens, des familles chez qui on va, de les moderniser et en fait, on transforme complètement une pièce avec leurs meubles. Donc, il y a vraiment un échange qui se fait avec la famille et puis c'est vraiment important parce qu'ils sont là du début jusqu'à la fin. Ce sont leurs meubles, ce sont des couleurs dont ils ont envie. C'est un thème qu'eux, ils ont choisi d'aborder. Du coup, là, on n'est pas du tout dans le home staging. Au contraire, on est vraiment dans de la décoration. On est dans de la personnalisation. Bah, tu vas voir, une fois que tu as pris le coup de main, c'est vraiment super facile. D'accord. Quand on va chez les gens, ils ont déjà une idée, mais ils ne savent pas trop comment la mettre en place. Parce que c'est vrai que c'est réservé plutôt aux professionnels. Nous, on sait exactement comment transformer les meubles, les couleurs à mettre. Eux, ils ont déjà une idée en tête, une ambiance qu'ils veulent, par exemple bord de mer, vintage. Et en fait, je retranscris leur envie d'abord sur un panneau d'ambiance. Ensuite, dans un deuxième temps, la famille nous rejoint à l'atelier. Exactement. On a un des membres de la famille qui travaille avec un des experts dans chaque atelier pour transformer le meuble. T'assures hein, quand même, hein. Tu ouais. Parais pas comme ça et tout, mais tu connais plein de choses, hein, bricolage. De mon côté, moi j'ai des astuces déco à faire, donc j'en ai deux par famille. Donc en général, je réalise des petits objets déco qui sont relativement simples à faire. Ça peut être des objets qui ont été repris chez les gens, que je transforme complètement, que je modernise et j'adapte surtout ces objets déco à l'ambiance, où je peux partir de rien du tout, par exemple avec un tube de PVC et un néon, et je fabrique une lampe hyper moderne. Et ensuite, on retourne chez la famille et là, la famille découvre la pièce complètement terminée. Ah oui, il y a du changement. Ah oui, d'accord. Ah. Ce qui est pas mal au niveau de l'émission, c'est qu'on montre vraiment n'importe quel objet et meuble. Ça peut être aussi bien du meuble de famille, par exemple que des gens ont récupéré appartenant aux grands-parents ou aux parents. Ils ne savent pas comment le transformer. Mais on a aussi pas mal de meubles de grande distribution. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, tout le monde, même le téléspectateur, on a tous chez nous des meubles. Parfois, on a envie de les bazarder, racheter d'autres choses. Et là, on montre justement qu'on ne jette rien, on récupère tout. On transforme une armoire métallique rouge, a été entièrement transformée en cabine téléphonique. Le petit garçon, en fait, voulait un thème londonien. C'est génial. Ah, ça claque. Wow. Ah ouais. Et ça fait super sympa. Donc en fait, les gens, après, ils ont chez eux leurs meubles qu'ils ont transformés eux-mêmes. Ils les ont personnalisés. Ces meubles-là, ils les retrouvent nulle part ailleurs. C'est économique, on s'amuse à le faire. Les gens, la famille apprend plein de choses, à peindre, à scier, à couper, à visser. Donc on leur apprend plein de techniques différentes de bricolage et puis ça leur donne en plus de ça des idées pour transformer d'autres meubles par la suite.